nous avons eu des ennuis. Hey, petit, par ici. Allez les poules, gavez-vous. Le chef vous transmet ses avis. C'est un bon chien, ça. C'est un beau toutou, ça. Regarde ce que j'ai pour toi. Tu vas adorer. Où étais-tu passé hier? Maître Feffard était là. Il a dit qu'il t'avait attendu toute la soirée et que tu n'es jamais venu. Pardon, papa. Lorsque j'ai vu que tout le monde était là, Henri avec Bianca, Jeanne et Mathias, et Feffard qui m'attendait... Tu as préféré t'étaler et tu l'as laissé planter là, c'est ça? Je suis désolée, papa. Ah, tu n'en as toujours fait qu'à ta tête, comme ta mère. Je ne suis pas fâché, Tess. Mais tôt ou tard, tu te marieras. Et tu peux être sûr que je ne donnerai pas ta main au premier venu. Je sais, papa. Mais la prochaine fois, tu pourrais au moins me demander ce que j'en pense. C'est juste, ma fille. La prochaine fois, je t'en parlerai. Mais seulement si tu es raisonnable et que tu y vas aujourd'hui. Le bal continue aujourd'hui, et Maître Feffard y sera. C'est lui qui paie tout, tu sais. Mais restons-en là pour l'instant. Nous avons du travail. Veux-tu bien aller chercher les clous chez le forgeron ? Il a dû les faire depuis le temps. Et cette clôture ne va pas se monter toute seule. Très bien, papa. Je vais y aller. Les fumiers. Oh, sainte mère de Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? À ton avis, on m'a attaqué, voilà. Par Henri, ce fils de chien. Dieu du ciel. Des gamins. Tu es bien amanché. Et fais quelque chose, je saigne. Montre-moi ça. Doucement, mon garçon. Si tu veux que je t'aide, demande-moi poliment. Je ne suis pas ta servante. Tu veux bien me faire un bandage, s'il te plaît? Avec une telle attitude, tu ferais mieux d'apprendre à te soigner toi-même. Tu mériterais une claque. Et tu peux t'y mettre tout de suite. J'ai mieux à faire que de m'occuper de toi. Tu es une vraie chrétienne. Merci beaucoup. Au pied, Magnan. Que Dieu vous accompagne, Thérèse. Je t'ai dit que ma femme s'était mise à la...
Que Dieu vous protège. Que puis-je faire pour vous? Que Dieu te protège. J'ai des reliques rares. Que Dieu vous accompagne.
Ça va, Thérèse.
Comment allez-vous ? Est-ce que quelqu'un ici veut m'affronter au tir à l'arc ? Je suis certain qu'on pourra vous trouver un adversaire. Vous êtes bon avec un arc entre les mains ? Histoire que je vous trouve un adversaire à votre taille ? J'ai déjà tiré plusieurs fois. Dans ce cas, vous n'aurez aucun mal à vous trouver un adversaire. Les archers confirmés tirent 13 flèches. Excellent ! Tenez, voici des flèches. Vous pouvez utiliser les vôtres si vous préférez. Et moi, je vais partir rassembler les concurrents. C'est fini. Thérèse a gagné. Que Dieu te protège, Thérèse. Frères et sœurs, ayez pitié d'un pauvre mendiant.
Bonjour. Comment allez-vous? Vous savez ce que c'est? C'est une femme qui m'envoie. Que Dieu vous accompagne, Thérèse. Que Dieu vous accompagne. Vous faut-il quelque chose? Alors, tu t'es servi de ces plantes? Oui, la préparation est prête. Et j'en ai fait pour toi aussi. Tiens, merci. Même si je ne comprends vraiment pas comment Henri peut aimer ça. Un vrai homme devrait être sûr de lui sans avoir à s'imbiber de schnapps à longueur de journée. Tu as sûrement raison. Tu sais, il en boit même avant que l'on... Tu sais... Arrête! Je ne veux pas tout savoir. C'est dégoûtant. Dégoûtant, oui. Maître Tobias, à propos du bal... Oui, jeune fille. Je t'ai attendu. J'espérais que tu viendrais. Étant donné que ton père me l'avait promis. Veuillez m'excuser, j'ai vu tous mes amis là-bas et les jeunes gens du village, et puis... Et puis moi, un vieux grand-père.
Ciel, non. Je ne voulais pas dire ça. C'est simplement que... Eh bien... J'aurais préféré que mon père m'en parle avant au lieu de tout manigancer dans mon dos. Tu ne dois pas en vouloir à ton père. C'est compliqué. Naturellement, il veut que sa fille ait une bonne situation et soit en sécurité. Je ne suis plus tout jeune, je te l'accorde. Mais avec moi, tu ne manquerais jamais de rien. Quoi qu'il en soit, Thérèse, j'accepte tes excuses et je te remercie. Et je parlerai à ton père. Porte-toi bien. Salutations. J'ai dit que ma femme s'était...
Revenez quand vous voulez. Salutations. Je te souhaite bonne santé, Thérèse. Thank you.
t'appelle, Thérèse. Vous avez fait votre choix? Je ne sais pas. Laissez-moi un instant. Ça va me suffire. Voici votre monnaie. Merci d'avoir fait vos achats ici. Bonne journée à vous. Qu'est-ce qu'il vous faut? Quelles sont les nouvelles du village, Yarmila? As-tu fait la rencontre de l'érudit qui se promène dans les parages depuis hier? Il m'a raconté une merveilleuse histoire des anciens temps, quand la princesse Libuse régnait. Tu connais la princesse Libuse, n'est-ce pas? Non, je ne la connais pas. Qui est-ce? Vraiment? Je croyais que tout le monde connaissait cette histoire. Libuse était une princesse des temps anciens. Elle s'est mariée à un laboureur qui est ensuite devenu roi. Mais c'était aussi une divineresse et elle recevait tout un tas de visions. C'est elle qui a fondé Prague. C'est fascinant. Et que t'a raconté l'érudit à son sujet? Il m'a parlé de la guerre des dames. Tu veux que je te la raconte? La guerre des dames? Voilà un titre prometteur. Raconte-moi. Les femmes étaient différentes à cette époque, au temps des païens. Elle pouvait vivre... Comment l'expliquer? Libre du joug du mariage. Elle portait les armes, guerroyait et choisissait aussi leur propre souveraine. Elle s'habillait même comme les hommes. Tu t'imagines? Que leur est-il arrivé? Leur audace était telle qu'elles ont érigé leur propre forteresse, où aucun homme ne pouvait entrer. C'est ce que dit l'érudit. Elles ont vraiment fait tout ça sans l'aide d'aucun homme? Oh oui! Et quand les hommes l'ont découvert, ils ont été piqués de jalousie. Ils se sont rassemblés en grand nombre et ont construit leur propre fort, à portée de vue de la forteresse des dames. Quoi? Les hommes et les femmes vivaient séparément dans leur propre château? Ça oui, et ils se sont même fait la guerre. Les hommes étaient plus braves, mais les femmes faisaient preuve d'une plus grande ruse. Naturellement. Et comment ça s'est fini? Après quelques temps, les deux côtés ont conclu la paix. Ils ont ensuite célébré 3 jours durant, et chaque homme est reparti avec une nouvelle et jeune mariée. Oh, je m'attendais à une fin différente. Moi aussi, j'aurais préféré que les femmes gagnent et qu'elles repartent avec un jeune époux chacune. Ça fait rêver, c'est sûr. Merci d'avoir partagé cette histoire avec moi. C'était une vraie source d'inspiration. Je dois partir. Notre forteresse à nous appartient bien aux hommes. Et ils ne connaissent pas la propreté. Bon, au moins, c'est fait. Hé! C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu vas aller me les chercher, Al? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Et ces clous, Henri? Tiens. Merci. Comment va Bianca? Elle va bien. Pourquoi cette question?
Non, comme ça. Tu vas assister au bal ce soir? J'ai entendu dire que tu avais eu une dispute avec Spichek et le Germain. Légère. Désolé. Les choses ont dégénéré. Pas besoin de t'excuser. J'espère que cet imbécile a eu ce qu'il méritait. Je ne le supporte pas. Je pensais que comme il travaillait au moulin également... Bien au contraire. C'est un porc. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Ah, oh, cette épée est vraiment magnifique. Oh, oh Sakura. Ah. Oh. Červená se jablíčko, zahrát se nám zrálo. Můj milej nic nevidí, na něj že se smálo. Ztratilo se jablíčko v travičce vysoké. Můj milej ho nenajde, bude ho mít jinej. Rozběhlo se jablíčko ze stráně u řeky. Můj milej ho nechytí, uplave na věky. Qu'est-ce que vous avez fait, bande de... Ah ! Salaud ! Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Spichek ! Ils sont partout ! Quoi ? Ils massacrent tout le monde ! Quoi ? Spichek, il faut que... Merde ! Lâchez-moi! Non! Non! Je suis bien verrouillé à l'occasion de Beko. Je sais pas! Laissez-moi tranquille, bande de salauds! Je vous en prie! Arrêtez! Arrêtez! Non! Pitié! Laissez-moi tranquille! Non! 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 Go! Go! Go!